Tu vois comment c'est joli, non? Là-bas, tu vois, il y a beaucoup de jardiniers. C'est comme ça que les gens doivent faire. Tu vois les gens qui travaillent là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois les gens viennent côté. Attends, je vais les prendre. Là, tu vois, en face, là, il y a des pêcheurs. Ils sont en train de préparer leur filet. Hein. C'est pas mal, hein? Non, mais franchement, c'est à suivre. Des exemples à suivre, quoi. Est-ce que je peux les prendre? Oui, vas-y. Des exemples. Tu vois, les jeunes, il faut qu'ils prennent des initiatives, faire leur agriculture. Tu vois, par exemple, parce que eux aussi, ils alimentent la ville. Hein, et les gens, ils viennent, ils font l'agriculture et puis après, ils vendent, tu vois, ils vont vendre un peu partout. Ce qui est bien, c'est que le niveau de cette activité-là, c'est de l'alimentaire. En fait, la population, les gens mangent un être humain, enfin un être vivant, mange tous les jours. Donc, il y a toujours de la rentabilité, que ce soit à court terme ou à long terme. Quoi. Après, ça va dépendre des produits. Hein. Moi, ouais. J'ai discuté avec un jeune homme de mon quartier qui m'a dit, par exemple, quand il fait pousser les choux blancs, quoi. Il en a pour à peu près 5 à 6 mois. Après, moi, j'estime que c'est un temps, un délai très court par rapport à la rentabilité, quoi. Pourquoi ne pas opter pour ce retour à la terre, quoi. Franchement, au lieu que les jeunes traînent au coin des rues, moi, ça, j'apprécie, quoi. Franchement, c'est pour ça que moi, je pense qu'avec l'initiative de Mbongui, on va peut-être les motiver. C'est le but. Ouais. Il faut vraiment les motiver, quoi. Motiver, quoi. Il manque un peu de la motivation, quoi. Sinon, je pense que c'est pas la volonté de tout le monde. On a peut-être qu'il y ait de la motivation, quoi. Ouais. Quelqu'un qui les dynamise. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Qui leur donne envie de faire de bonnes choses. Et en plus, en leur parlant du gain aussi, parce que les gens, ils aiment qu'ils gagnent aussi quelque chose. Quand on leur montre comme score d'exemple, on a monté à la maison, voilà. De la patience, quoi. Avoir de la patience. Combien ils gagnent aussi. Ils gagnent, ça va les motiver.
c'est l'ambassade d'Inde. Voilà, si on peut citer des choses qui sont assises, c'est pas mal. L'ambassade du Cameroun, c'est bien. Centre-ville, quoi. Non, c'est aussi. Voilà. Et là, c'est l'université Marine Gouabi. Ah, Bayardelle, ouais, là, tu es. Bayardelle. Une nouvelle longue histoire. Moi, je viens te chercher en voiture, oui. Ah, c'est bien ça, c'est beau ça. On se rappelle un peu du passé. Ah, c'est chez les pompiers. Ah, c'est chez les pompiers, ouais. Travailler, comme on dit. Travailler. Et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler. Même si on a quelque chose, même si on a déjà un acquis, il faut continuer à bosser. Parce que même le centre-ville, hein, il faut encore retravailler un certain nombre de choses. Il y a des choses à faire sur la canalisation. Mais c'est déjà pas mal. Ça, c'est tout du CHU, ça. Bien de la suite, on va ça. C'est venu de Lille. Rue de Lille. Par ici. Ah bon? Ça arrive jusqu'ici. Parce que moi je connais vers la. Moi c'est juste à Laval. Ah, je vais pas te montrer mon ami. Mais tu sais qu'on voulait faire. On va prendre l'avenue Miami. Nous on va prendre l'avenue Miami, ouais. On va prendre l'avenue Miami, ouais, c'est ça. Lucien là. Ouais. Mais tu sais que. Il va falloir qu'on fasse aussi pour d'autres, tu m'avais dit, non? On devait aller dans les boutiques de Rondé du Sud. J'ai pas oublié. Et le temps passe aussi, il faut pas dormir là, parce que... Bon, ça va faire quand on fera le tour de menu là. What? Ah, ben... Et on va tester aujourd'hui, maintenant, après. On va voir. Si le temps passe, hein? Et ça passe très vite en plus. Mardi. Ça, c'est quelle avenue? Avenue, ouais.